Aujourd'hui, on a quelqu'un qui nous vient de la Guadeloupe, qui est né à la Côte d'Ivoire et qui nous a partagé à l'âge de 9 ans. Il a été rejeté, Marcel Cohen maintenant, et il a été rejeté, il a dormi dans des termitières. Je ne sais pas si vous avez déjà dormi là-dedans. Moi, j'ai jamais eu l'occasion en passant. Je regardais ça en passant en voiture sur la route quand j'étais en Afrique. Et... Il a ressuscité son premier mort. À quel âge tu avais, Marcel? Onze ans. Onze ans. Écoutez 11 ans bien, Dieu utilise même les enfants. À cet âge-là, il avait onze ans. Et le village, après que tu as ressuscité ce, ce jeune homme, euh, débat. Tous ceux qui te rejetaient au village, est-ce qu'ils ont, ils ont changé, on dit en québécois, ils ont changé leur fusil d'épaule? Je crois que non seulement l'épaule, ils ont carrément changé de direction et de l'emplacement. C'est même pas l'épaule, ils l'ont enlevé de toutes les épaules. Parce que c'était plus maintenant vers moi. Parce qu'ils ont compris que Dieu était... Le Dieu que je servais était tellement puissant. Ils ont commencé à se poser des questions. Et en fait, le, le, ce que je voulais donner comme message aux téléspectateurs de cette émission, de cette chaîne, de cette, cette occasion de de mission Réveil, c'est très important de comprendre que, quelle que soit la situation, l'étape de notre vie, mais il faut garder sa foi en Dieu. Parce que mon parcours, c'est, je parlais de ce que j'ai vécu dans mon enfance, mais si ce n'est pas la main de Dieu dans ma vie, c'est sûr que j'aurais été un enfant détruit dans ma vie. Parce que tout était fait dans cette condition. Mais ça, c'est le plan du diable. C'est le plan de l'homme. L'homme il peut faire des choses le diable peut planifier des choses mais ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent. La Bible dit que dans le livre de Romains chapitre, chapitre, chapitre 4 verset 21 que euh, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il a la puissance aussi pour le réaliser pour l'accomplir pour le manifester parce que Dieu est un Dieu de gloire depuis la création il n'a jamais changé notre Dieu. Et ce message que je voulais vous dire c'est que dans toutes ces différentes étapes dans ma vie même enfant Dieu a toujours été fidèle. Dieu a toujours été à l'écoute. Dieu a toujours été là pour répondre. Dieu a toujours été là pour agir. Dieu a toujours été là pour manifester sa puissance. Dieu a toujours été là pour tendre sa main. Et dans toutes ces différentes étapes, il faut seulement mettre sa foi en l'Éternel et comprendre que même quand c'est des complications financières, d'autres familiales, d'autres sentimentales, mais dans le cas du mariage ou même des enfants qui sont un peu dispersés, rebelles et tout, etc. Il faut comprendre que il faut se mettre à genoux et parler à Dieu, chercher la face de Dieu, venir à l'Église et demander, Seigneur, Seigneur, dans mon état actuel, je sais que tu as quelque chose pour moi, dans ce que je vis, je sais que tu m'entends, même si tu as du mal à exprimer les choses, mais ton cœur pense quelque chose, ton âme vit quelque chose. Ce qui est fort avec Dieu, c'est que même si la bouche se trompe, même si la bouche a du mal, même si les oreilles ne comprennent pas, même si on a du mal à vivre le sentiment des choses, Dieu connaît notre cœur, Dieu connaît la sincérité de notre vie, Dieu connaît le besoin de notre vie, Dieu connaît l'état de notre vie, Dieu connaît l'avenir de notre vie, et Dieu est capable de, de raser notre pensée, notre passé, qui, qui, qui souvent traverse et, et, et se mouvoie dans de la culpabilité, dans toujours l'éternel recommencement, de récom... l'accusation. Il faut sortir de ce contexte. Nous sommes dans, nous sommes dans une génération où oh, le raccourci et euh, la facilité, la jalousie, la haine, le mépris, il y a plein de choses qui se font aujourd'hui dans le but de maintenir l'humanité et même cette jeunesse dans une destruction continue avancée et, et ce que je voulais dire les familles vous devez vous attraper tenir les mains de, de vos enfants et comprendre que chaque fois que vous venez voir cette émission seigneur quelle est ma part de bénédiction à cette émission seigneur qu'est ce que tu dois mais tu, tu veux que je reçoive et si tu as des questions prends ton téléphone compose le numéro demande conseil partage et puis, si Dieu te, Dieu te touche, non seulement tu poses des questions, mais aussi témoigne. Appelle pour témoigner ce que Dieu a fait. Parce que tu peux avoir une maladie. Il est arrivé à une émission où j'étais en train de prêcher. Et le Seigneur m'a demandé de prier pour quelqu'un qui était paralysé dans son salon. Et au moment où je proclamais, parce que là où je sais, je suis, je faisais des émissions de télé. Et Dieu a touché, Dieu a manifesté sa puissance. Et la paralysie de cette dame qui était dans son salon a été chassée. Et cette femme a été guérie par la puissance du Saint-Esprit. Ça, ce n'était pas une histoire de 10-15 ans. Ça s'est passé euh, il, y a, il y a 2004. Hein, 2004 euh, en Caraïbe, là où je suis. Mais qu'est-ce que Dieu fait Dieu est illimité dans son action. Dieu est illimité dans sa puissance. Dans tout ce parcours, ça veut dire, Dieu choisit qui il veut. Il a choisi quand j'étais jeune. Dieu appelle et donne la grâce à qui il veut parce qu'il ne fait exception de personne. Il n'a pas le regard des hommes de jugement. Et Dieu Dieu manifeste, à ju élève qui veut. Ça veut dire ce qu'il te donne. Rien ne peut l'empêcher de s'accomplir. Mais mieux encore, Dieu, dans sa vocation, dans sa promesse, est le Dieu de l'ouverture, de toute la plénitude. Et le Dieu. Je sais que Jean, dans ces émissions que tu fais, il y, a, il y a des gens qui vivent des choses. Et, 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 et je dis que le Canada est un pays qui est, qui est enclavé par un esprit de dépression, où les gens dépriment beaucoup, les gens sont surchargés, les gens sont oppressés. Et, et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces étapes de notre vie, de notre communion personnelle avec le Seigneur, le Seigneur donne rendez-vous à chacun de pouvoir comprendre que malgré toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés le premier, qui nous a prédestinés dans la gloire de son nom, pour que chacun puisse saisir que le plan et la volonté de Dieu, sûr et certain, s'accomplira. Dans la grâce de Dieu. Et c'est dans ce contexte que je voulais vraiment encourager tout le monde à cette émission. N'oubliez pas, chaque heure, à chaque occasion, chaque rendez-vous, à chaque moment précis, mettez-vous à votre poste. Prenez le téléphone, prenez votre lettre, prenez-vous aussi il hein, y a des emails qui sont donnés. Apportez, écrivez, témoignez, cherchez, demandez. Et, et vous allez voir que c'est une édification propre et personnelle. Ce que le Seigneur a fait pour Lazare, il peut le faire. Et que le Seigneur, il y a des choses qui sont endormies, il y a des grâces, des talents qui sont endormis, il y a des choses que Dieu a fait dans la vie de certaines personnes qui sont découragées. Mais dans cette émission, Dieu restaure. Cette année 2009 est un rendez-vous, c'est une année spéciale de rencontre personnelle que Dieu est en train de te dire ne baisse pas les bras, ne recule pas, sache que je t'ai emmené d'un point de départ à un point d'arrivée, je suis l'alpha et l'oméga. Et dans ce contexte, que tu comprennes que le temps de Dieu est venu pour que tu revives. Là où on pensait t'écraser, que Dieu te lève. Là où tu pensais même t'éteindre, que Dieu te ressuscite. Là où tu pensais t'endormir, que Dieu te c'est pour ça qu'on dit émission réveil. Il faut que tu te réveilles. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui avais abandonné. Réveille-toi, toi qui étais découragé. Réveille-toi. Jean, il faut oh, que cette oui. génération se réveille. C'est le non. message que j'ai pour vous. Écoutez cette émission et je bénis Dieu pour cet homme qui est en train d'apporter un message, qui est en train de travailler, qui est en train de foncer pour le Seigneur, être un bâtisseur dans le Québec, dans l'Ontario, dans le Canada, de partout dans le monde entier. Parce que le temps est venu pour que l'évangile soit à sa place et que les gens découvrent la plénitude la promesse de la gloire de Dieu. C'est ce que je peux vous dire. Et Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent, il, il détient toutes les clés pour vous, toutes les, même celles qui sont bloquées, pour que tu retrouves la stabilité et la grâce au nom de Jésus. Amen. Marcel, tu sais, il y, y a plusieurs personnes présentement à la maison. Vous dites, mais moi, je suis découragé, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais recevez présentement. Au nom de Jésus-Christ, votre guérison, votre miracle que Jésus a aujourd'hui pour vous, que les paralysés commencent à marcher et commencent à bouger. Au nom de Jésus de Nazareth, recevez la plénitude de Dieu dans vos Et quel beau témoignage, Louise. C'était tellement intéressant. Et là, c'est ça que la parole de Dieu fait. Elle change une personne, puis elle la transforme au complet. Louise, on va faire une, on fait une série comme celle-là, de gloire en gloire. Ça veut dire aller de progrès en progrès. Oui, c'est important qu'on qu comprenne en tant que chrétien né de nouveau qu'on ne peut pas rester au même endroit. Il faut toujours marcher de gloire en gloire et de progrès en progrès. Ça veut dire ces enseignements là à la maison là, devraient nous aider à chacun de nous ici. Même moi quand je le réécoute, ça me fait du bien à pas rester si vous êtes bloqué, on dirait si vous êtes collé dans la vie, vous avancez pas, vous tournez en rond, Je pense Louis, ça va vraiment nous aider à la maison là à, à débloquer ça. Mm -hmm. ça, va, ça va aussi genre, changer notre façon de penser parce que le premier clip qu'on va voir, ça parle de penser différemment, si on veut prospérer au niveau de notre âme. Oui. Alors, je pense que les gens vont aimer ce clip. Puis, puis je pense que c'est tellement important de changer, de ne pas avoir peur. Là. Si vous pensez toujours la même façon, vous allez toujours avoir les mêmes résultats dans la maison. Fait que je pense que oui, c'est important. Puis, je pense que c'est ça qu'on va aller voir ensemble. Oui. Alors, regardons ensemble le clip de Gloire en Gloire. Deux Corinthiens, chapitre 3, verset 18 nous dit... Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés, dites transformés, en la même image de gloire en gloire comme parle le Seigneur l'Esprit. Amen. On va, vu qu'on est transformé, dis à ton voisin, tu vas, être, tu vas aller de progrès en progrès. Alléluia. On va de gloire en gloire. Puis pour aller de gloire en gloire, un, un verset pour moi qui est clé aussi, est, se trouve dans 2 Corinthiens au chapitre 5, au verset 17. Amen. Ça nous dit... Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Écoutez-moi. Jésus nous dit qu'on est des nouvelles créatures quand on l'accepte dans notre vie. Ça veut dire, il a fait du vieux Jean que j'étais. Un jour, je vous montrais des portraits que j'avais de l'air avant de venir au Seigneur. Ma femme a dit: non, 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 fais pas ça. Il y a beaucoup de gens qui vont dire: mon Dieu qui a changé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Un verset que j'aime beaucoup dans Éphésiens chapitre 4 au verset 24, ça nous dit, revêtir l'homme nouveau. Ça nous dit qu'on est des nouvelles créatures, mais il faut revêtir l'homme nouveau. J'en viens ici. Ça veut dire, si tu te revêtes de l'homme nouveau, ça veut dire que tu peux enlever aussi ton manteau. Êtes-vous d'accord? Revêtir, ça veut dire, écoutez-moi, découragez-vous pas ce matin. Amen. Mettez l'homme nouveau. Laissez pas le vieil homme remonter. Demandez à ma femme, le vieil homme, il était capable ici. Il était capable de pas grand-chose. Fait que Dieu nous dit de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Revêtir l'homme nouveau, c'est comme revêtir son manteau. Amen, 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 Amen. Vous êtes des nouvelles créatures. Dis à ton voisin Tu une belle créature de Dieu. Jean, merci. Écoutez bien, il y a quatre choses qui sont essentielles si vous voulez aller de progrès en progrès. Quatre choses qui sont essentielles. La première, vous devez penser différemment. Amen, amen. Proverbe 23, 7 nous dit, écoutez bien, c'est très important que vous compreniez cela. L'homme est comme les pensées de son âme. De la façon que vous pensez de vous, vous êtes exactement ce que vous pensez de vous. Ah, mon Dieu, il y a des gens qui vont dire Mon Dieu, je pense pas grand-chose de moi-même. L'homme est comme les pensées de son âme. Éphésiens, chapitre 4, au verset 23 dans le français courant Il faut vous laisser complètement renouveler. Dans votre cœur et dans votre esprit. L'homme nouveau, écoutez-moi tout le monde ce matin, vous avez besoin d'être renouvelé dans votre cœur et dans votre esprit par la parole de Dieu. C'est ça qui vous. C'est ça qui fait l'homme charmant que je suis pour ma femme. Pense. Moi, je n'ai pas eu grand amen là-dessus. <laughs> Je, ma femme elle a dit Amen. Je suis donc content, ma chérie, tu es là pour moi. Il faut se laisser complètement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont de la difficulté, parce que vous n'êtes pas renouvelé dans la boîte à poux. Il y a encore des poux pour certains. Ça veut dire dans vos pensées, vos pensées ne sont pas toutes nettoyées encore. Vous avez, c'est comme un ordinateur. Tout le monde connaît l'ordinateur aujourd'hui, le disque dur. Il y a besoin d'être, certaines choses ont besoin d'être enlevées, remplacées et remplacées par des bonnes données. Amen. Très important, c'est une nouvelle créature. C'est ça que je fais ce matin. Avec vous, gardez Amos chapitre 4, verset 13. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent et qui fait connaître à l'homme ses pensées. Dieu veut se révéler dans vos pensées. Dieu veut que vous pensiez comme lui pense. Écoutez bien. Souvent quand je rencontre des gens, je vois que le penser, c'est pas les pensées de Dieu qu'ils ont. C'est pour ça qu'ils sont abattus. Vérifiez un matin euh, Qu'est-ce qui vient dans votre tête présentement, dans votre cœur Est-ce que c'est des bonnes pensées ou des pensées t'es pas bon, ça marche pas, ton mari changera jamais, il a tellement la tête dure ou ta femme changera pas non plus, un bout de dire elle fait du boudin, elle changera pas et on part dans un dans quelque chose qui n'est pas bon. Pour nos pensées, c'est pour ça quand vous venez dans mon bureau, je fais juste vous dire comment j'opère. Je vous écoute parler, puis de l'abondance du cœur, la bouche parle. Puis là vous parlez, je demande comment ça va. Oh, ça va pas, mon mari, il me comprend pas, il me comprendra jamais, il comprend rien. Là, je vois ce qu'il y a dans vos pensées. Et là, je prends ces pensées-là et j'amène ça captif en Jésus-Christ. Et là, je dis Hé, 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 Dieu est capable de le changer, ton mari. Oh non. Ah oui Même s'il si a la tête dure comme Normand, Dieu est capable de le changer. <laughs> Puis, écoute, puis là, qu'est-ce que je fais avec cette personne-là? 2 Corinthiens 10, 5 nous dit, nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire, je suis avec sa femme, un exemple. Dans mon bureau, la porte ouverte en passant. Puis là, je dis à ta femme. À f... Non! Commence à confesser. normalement, il n'y a pas la tête dure. Ça, c'est dur. Ça, c'est là, c'est un langage. Tout à l'heure, on va en parler, un langage de foi. Puis, si je viens à bout d'amener toutes les pensées captives à la parole de Dieu, je vais voir sa femme qui va commencer à changer de langage. Puis là, j'amène les pensées captives en Jésus-Christ. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen, amen. Moi et ma famille nous servirons l'Éternel. Est-ce que tout le monde me suit? Moi et ma famille nous servirons l'Éternel. Et qu'est-ce qu'on sait après un certain temps? Après que je suis cinq-dix minutes avec vous, peut-être que vous ne le réalisez pas. Là, je vois la femme commencer à parler différemment. Il y en a, je suis habitué de faire ça avec. Quand ils rentre dans mon bureau, là, je vois de quel esprit il chauffe. Amen. L'abondance du cœur, la bouche parle. J'écoute. Là, je les enligne. J'amène une pensée captive en Jésus-Christ. Puis là, ils sortent de mon bureau. <tousse> <tousse> Pasteur, t'es merveilleux! Oh! Puis là, je dis, c'est pas moi qui est merveilleux, c'est Christ qui est merveilleux, parce que sa parole, elle est merveilleuse! Ça veut dire, c'est important, nous renversons les raisonnements et tout autant qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Philippiens 4.8, c'est pour ça, pourquoi vous pensez que Dieu nous a donné la prescription hein? Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. La nouvelle personne pense différemment. Wow, Jean, c'est vraiment intéressant ce qui a été oui, partagé oui. sur la façon de penser, comment c'est important en tant que chrétien de changer notre façon de penser. Et c'est donc important. Quand Dieu nous donne une ordonnance comme ça, des ordonnances, je pense que c'est important de, de vraiment accepter ce que Dieu nous donne. Et euh, Louise, moi je dis, on ne peut pas aller de progrès en progrès dans la vie si nos pensées ne sont pas changées. Mais jean, nos pensées ne peuvent pas être changées si on n'est pas né de nouveau. Si on ne devient pas un chrétien vrai, né de nouveau, les gens vont dire, mais c'est quoi né de nouveau? C'est accepter Jésus dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. C'est juste après qu'on a fait ça qu'on peut commencer à penser différemment. Oui. Puis Louis, je pense qu'on pourrait prier avec les gens à la maison. Si vous êtes d'accord avec moi, alors, si vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus, moi, je vous le dis, le jour où vous allez lui donner la permission vous allez commencer à changer. Oui. C'est là qu'il va y avoir un changement puis vous allez commencer à penser différemment aussi. Fait que Louise, on va prier ensemble. On se donne la main à la maison. Si vous êtes seul, amen, amen. Même placez votre main sur l'écran de télévision et priez cette simple prière après moi. Dites Jésus. Jésus. Je te donne tout mon cœur. Je te donne tout mon cœur. Et toute ma vie. Et toute ma vie. Pardonne tous mes péchés pardonne tous mes péchés je t'accepte comme, comme seigneur et sauveur de ma vie sauveur de ma vie amen amen, amen. amen. et si, si vous avez fait cette prière à la maison téléphonez-nous au numéro qui passe au bas de l'écran ça nous ferait tellement plaisir D'entendre de, de, parler ce qui se passe, parce que oh, c'est la meilleure façon qu'on peut se communiquer. Et nous, ça nous encourage aussi, Louise, à continuer. Oui. Euh, Qu'est-ce qu chose... qui t'a touché dans ce dans bout ense... d'enseignement-là? Dans l'enseignement, ce qui m'a touché, c'est en Éphésiens 4, 24, ça nous disait de revêtir l'homme nouveau. Alors, on vient de parler d'une nouvelle créature, oui. qu'il faut revêtir l'homme nouveau mais avant de revêtir l'homme nouveau il faut se dépouiller du vieil homme c'est-à-dire rejeter le vieil homme avant d'accepter l'homme nouveau c'est justement dans, dans le fond c'est simplement de la façon qu'on vivait avant mm -hmm. on vit de nouvelle façon ça veut dire qu'on devient une nouvelle personne. Les gens disent, Oui, mais c'est possible de commencer à neuf. Oui. Mais oui, c'est possible de commencer à neuf. Oui. Mais Louise, après ça, c'est là que ça devient dur. Oui. Parce qu'on est habitué de penser de telle façon puis, et de telle façon. Et, et moi, je vous dis, c'est là que dans 3 Jean chapitre 1, il y a juste un, un chapitre, de toute façon, au verset 2. Il dit Bien-aimé, écoutez, je souhaite que tu prospère à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire comme ton âme va de progrès en progrès, ça veut dire quand vous avez des bonnes pensées, ça vous aide à parler et à voir les choses différemment. Oui, puis ça nous fait prospérer aussi dans notre démarche spirituelle. Oui. Alors, c'est pour ça qu'on va de progrès en progrès, de gloire en gloire, mais il faut que nos pensées soient renouvelées, sans ça, on ne peut pas avancer. Si on a toujours des mauvaises pensées face à nous-mêmes, t'es un pas bon, t'es ci si et tu es ça, je pense que c'est là qu'il faut commencer à prospérer. La, la, la prospérité fait peur à beaucoup de gens, mais ça veut dire tu as du succès. Mmh. Il faut, c'est important d'avoir des bonnes pensées. C'est pour ça, ce, qu'est-ce que Jésus nous a dit dans Philippiens, au chapitre 4, au verset 8 au reste, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable et toutes ces bonnes choses soient l'objet. Dieu veut qu'on pense à des bonnes choses. Et si vous commencez la journée comme ça, Louise, en pensant à des bonnes choses, même sur votre vie, mmh. on est tellement habitué, soit qu'on a entendu de papa et maman, t'es un pas bon, tu ne feras pas rien de bon. Moi, j'ai vu une guérison ici à l'église d'un homme qui est venu dans mon bureau. Puis il était tellement défait de la vie. Il y avait juste des pensées de mort, Louise. Des pensées qui étaient pour mourir, des pensées qui. qui, qui... Et, et tout ce que je lui ai dit, non, tu meurs pas, tu vas vivre. Et ces paroles-là ont commencé à le transformer, Louise. Mmh. As un petit exemple, toi aussi? Euh, moi aussi, une dame ici qui travaille justement à l'Église. Puis euh, toute sa vie, ses parents lui ont dit qu'elle ferait jamais rien de bon ou qu'elle pourrait pas réussir parce se sentait vraiment dévalorisée. dévalorisée. Puis euh, elle a commencé à changer sa façon de penser. Puis qu'à chaque fois qu'elle nous, nous voyait ou qu'elle voyait quelqu'un qui réussissait, elle se disait qu'est-ce qu'elle peut penser de moi Il me semble que je fais rien de bon. Jusqu'à mmh. ce que Dieu vienne lui révéler dans son cœur qu'il avait des plans parfaits pour elle puis qu'il fallait qu'elle change sa façon de penser. C'est ce qu'elle a fait. Puis elle commence à, à, à cheminer, justement, puis à aller de victoire en victoire, puis de progrès en progrès. C'est pas toujours facile quand, quand toute notre vie, Louise, nos parents nous ont dit, tu, tu ne feras rien de bon, tu n'avanceras jamais dans la vie. Mais c'est là Jésus fait toute la différence. Mmh. Parce que le Seigneur a des plans de bonheur pour chacun de nous, Louise. Il y a des plans de de de, de Paix pour nous. Il y a des plans d'amour pour nous. C'est pour ça, lui, notre Dieu veut qu'on médite sur des bonnes choses comme ça. Fait que moi, je vous encourage aujourd'hui, là, commencez à méditer sur des bonnes choses pour votre vie. Puis ça va vraiment changer la vie de ceux qui nous écoutent. C'est vraiment d'entrer de, 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 dans la parole de Dieu et de laisser cette parole venir nous transformer Moi, pour que ça puisse renouveler nos pensées. J'ai vu ce jeune homme-là être transformé et aujourd'hui, il est guéri au complet. Et vous aussi aujourd'hui, soyez guéri et soyez transformé. Je vous encourage à visiter notre site web pour réécouter les enseignements et participer à nos services en direct les dimanches et les mardis. Vous pouvez aussi devenir partenaire de l'émission Réveil en semant financièrement. Pour un don de 25 ou 20 euros ou plus par mois, vous recevrez le DVD du mois ainsi que notre lettre de nouvelles. Vous pouvez maintenant donner en ligne par Visa et Mastercard ou nous envoyer votre don directement à l'adresse qui paraît à l'écran. En donnant, vous nous aidez à propager la bonne nouvelle dans le monde francophone merci de votre générosité et continuez à marcher de gloire en gloire.